Un balai d'ambulance près de Belgrade où une série d'explosions a retenti ce mardi dans une usine de munitions. Un premier bilan officiel fait état d'au moins 2 morts et d'une 15aine de blessés qui ont été transportés à l'hôpital pour de graves brûlures. Plusieurs dizaines d'employés se trouvaient sur le site quand la première explosion s'est produite en début d'après-midi dans un entrepôt fabriquant des roquettes qui a été entièrement dévasté. Les images ont montré un cratère au sol et un important panache de fumée visible à des kilomètres à la ronde. Des vitres ont été soufflées par l'explosion et des véhicules situés sur un parking proche du complexe étaient en feu. La police a utilisé des drones pour survoler la zone et déceler la présence d'autres victimes potentielles. Cette usine avait déjà subi un accident de ce type en 2008.